Attention, des stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest du dimanche matin. Les bonnes sont 13:51 à tous de la part de Dandy 33. 51, Eric, j'espère que tu vas bien. Les 73, Eric, as-tu bien dormi? Impeccable, super bien, ça fait du bien. Ah, tu m'étonnes, je suis un petit peu tombé du lit ce matin. Vers les 6 heures, par là, j'étais déjà debout. Ben, moi aussi, j'étais à peu près dans les mêmes horaires quand mon fils est parti. Aux alentours de 6 heures, ouais, quelque chose comme ça, j'étais debout moi aussi. C'est l'habitude. Ah, je suis trois coups. Ah tiens, d'après les messages que j'ai vus, Ludovic serait passé sur le QSO hier soir, mais bon, après quand il n'y avait plus personne, chie. Ah, d'accord, ok, c'est bien. Mais bon, après, moi, je suis parti un peu après ça aussi, donc j'ai écouté les émissions après. Ben disons que moi hier soir après le QSO, je me suis attaqué à la vidéo, le montage et tout, puis vu que j'avais une mauvaise réception de mon côté, j'ai couplé avec la bande son là, du WebSDR, et du coup ben, j'étais au 144 vers les, je sais plus, 11h, pardon, vers les 11h15 je crois il me semble, ouais dans ces eaux là. Ok, on va avoir une belle journée, hein, ça se fait un peu. Ouais, affirmatif. Et ouais, c'est vrai que là, il y a un grand beau soleil là, de mon côté. La température est de 7 degrés. Donc, bon, ça va encore. Ouais, ça va. Là, ça a poussé les 7 encore un peu. Là, parce que, avec l'eau qu'il y a eu un peu, là, normalement, ça doit venir avant les premières gelées. Eh bien, moi, sur le terrain, j'ai des champignons de tous les côtés, quoi. Je sais pas ce que c'est, je sais pas s'ils sont comestibles, mais ça pousse à foison. Ouais, après, si tu connais pas les champignons, t'as des applications sur le portable que tu peux mettre pour voir les champignons, s'ils sont bons ou pas. Ouais, je sais bien, mais bon, je me méfie un petit peu avec les chats et tout qui passent par là, ça pisse partout. Déjà, rien que le fait de penser à ça, ça me laisse un effet bœuf. Ah, mais c'est sur ton terrain, c'est quoi? Oui, sur le terrain. Ah, ok. Ouais. Bon, je vais laisser un petit blanc, mais pas que je vais demander derrière, on sait jamais. Quand même pour le moment, ils sont encore coincés. Alors peut-être que Ludo il va faire un petit tour tout à l'heure. Hein. Ouais, j'étais en train d'écouter un petit peu dans le lointain derrière. Je sais pas si c'est peut-être un petit QRM ou je sais pas trop là qui est passé. Hein. J'ai rien de mon côté, hein, en tout cas pour le moment. Ah, et puis j'ai à peu près 2 points de QRM, donc c'est un peu difficile à sortir quelqu'un qui est un petit peu loin, quoi. Ah bah tu vois, moi, c'est quoi, j'ai même pas un point, là, tu vois, c'est calme, ça va. Les QRM, de mon côté, ça s'est bien calmé, de mon côté. Alors, je sais pas si j'ai des améliorations, mais avant, j'avais le stade qui me perturbait un petit peu. Et là, ça fait un bon moment, maintenant, je suis plus trop embêté avec les QRM. Ah ouais, c'est 2 points de QRM bien là. Mais t'as pas fait des modifications sur ton installation, je sais pas, le câble ou autre chose? Non, rien du tout. C'est pareil, j'ai toujours mon petit boîtier filtrant, mais c'est pas ça qui joue, ça joue pas sur la réception. Et ça enlève du bruit, mais c'est au niveau QRM, non, je sais pas, c'est... Je sais pas pourquoi. Avant, j'avais monté moi jusqu'à 5 points de QRM en permanence, parce que c'était un peu désagréable. Mais là, je me suis dit, je crois qu'il commence pas à faire de QRM, je dois avoir un de QRM. Là, pour le moment, c'est bon. Alors, si ça pouvait rester comme ça, mais ça fait un bon moment que je m'embêtais avec le QRM. Alors, je sais pas.
sais pas s'ils ont fait des modifications au niveau du stade là sur les isolateurs ou je sais pas. Et je suis moi embêté. Ouais, bien souvent c'est ça, c'est les isolateurs qui foutent le bazar. Je le vois moi en voiture, hein, suivant là où je passe et tout, d'un seul coup je me retrouve avec des montées de QRM alors qu'il n'y a rien autour. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Et là dans mon coin, là j'en ai pas mal justement comme ça, et c'est vrai que je me suis déjà promené avec le push hein, pour voir un petit peu. Et dès que je passe au pied là des lignes électriques, hein, aïe 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 aïe. Oui, c'est ça, demain soir. Ben, disons, le problème des isolateurs, c'est le verre de gris qui vient se foutre dessus. Et pour le coup, ben, ça perd complètement de son isolation. Quoi. Oui, je rattaque demain soir en nuit. Et là, là je fais une nuit sur deux. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ce soir, tu vois, là, je suis pas couché avant 3h30 du matin, là, demain matin. Quoi. Ouais, tu ferais bien de le rappeler justement que là on est en début de la vidéo. Parce qu'en même temps, il faudra que je mette une petite note là sur la fiche là que j'ai sur la CRT là que j'ai sur le forum. Ouais, mais pour les pièces détachées de l'antenne Sirio, c'est moi j'ai contacté le Sirio, la maison mère en Italie, ils m'ont répondu après. C'est pour la France, c'est CRT France qui s'occupe des accessoires de. Pour réparer les antennes, les pièces détachées antennes Sirio, de la marque Sirio uniquement, hein, c'est après les autres, c'est pas trop, mais pour Sirio, tu vois. Donc, pour les pièces détachées, donc c'est bon à savoir. Et puis, voilà, donc, ça rend bien service. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est sûr, puis merci pour l'info. Tiens, puisque tu parles de ça, est-ce que tu as de ton côté des news des antennes Sigma? Non, moi c'est pareil. La boîte en Italie, justement, là, qui gérait ça, plus d'autres marques, ça avait été rachetée par Vimo. Ouais, c'est ça, donc là, ouais, la boîte allemande. Mais aucune info depuis à ce niveau-là, quoi. Ouais, affirmatif. C'est pour ça que là, faut que je me dépêche là d'aller voir Christophe SAV33 pour justement pour voir un petit peu faire quelque chose là avec lui et bien avant que les fêtes arrivent. Je vais aller voir ça là de suite. Alors voyons ça. Ben, je relâche le micro quand il y aura un break. Alors, voilà, je suis sur le site.
Je vois de marquer à partir du 1er novembre 2018, vente de TX, RX et antenne. Je vois la rubrique SAV Radio 33, je vois où nous contacter, je vois demande de SAV, demande de dépôt-vente, tarif, occasion, conditions de vente. Je ne vois pas d'onglet pour qui pourrait mener là au matériel neuf. Je vous remercie de l'arbitre. Oui, pourtant, dans sa page est quand même assez simple. Et Ah merde. Désolé. Attends, j'ai tout fermé, il faut que je réouvre. Il faut cliquer sur le logo président. Ouais, ben attends, j'ai fait ma petite boulette du matin. Voilà, ça c'est fait. Je retourne dessus. Sur le logo président. Ah oui, d'accord. Ouais, ben oui. Forcément. Ah ben, on tombe directement sur le site président. C'est pas comme ça que je voyais les choses, toi. Oh ouais, mais écoute, après, comme ils disent, pour avoir n'importe quel poste, je pense, de la marche évident, c'est pour ça qu'il faut les détails, je crois que je disais comme ça. Hein. Attends deux secondes, où est la station derrière? Il m'a semblé entendre quelqu'un, je sais pas si c'est un petit coup de propag, comme j'ai entendu tout à l'heure, là, sur le 555. En avant la station. Oui, les 73-51, la station de la part de Dundee 33, QTH Sainte-Colombe, à côté, entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Alors si j'ai bien compris, Soulac-sur-Mer. Ah ben ça fait un petit bout de route. Ah oui, mais je te reconnais, Hachi, les 73. Alors là je suis en QSO là pour le moment avec 14 Victor Eco 27 Eric qui est sur le sud de Bordeaux. Je lui fais un retour de micro à toi Eric. Oui, je vous présente à la station du Soulac, 14 Victor Eco 27, l'opérateur Eric, 73. Ouais, la station de Sulac, là, c'est très QRP. J'ai une oreille sur le web SDR, je t'entends pas forcément dedans. Au QRA, c'est assez QRP. Mais bon, si la dernière fois ça passait pas du tout, là, ce coup-ci, ça arrive à passer, donc il y a un petit plus. Hachi. Ouais, retour de la station de Sulac. Je me demande si c'est pas des petites brides que tu attrapes justement de la station de Sulac. La station de Sulac, là j'ai une petite vidéo, là tu pourras voir comment ça passe, là, qui est en cours, là tu pourras voir comment ça passe dedans. Donc il n'y a pas de problème. Je m'occuperai de la vidéo plus vite, elle sera en ligne aujourd'hui, hein, il n'y a pas de problème. Donc tu pourras voir ce que ça donne de notre côté. Mais de là à comprendre ce que tu dis, là c'est vraiment vraiment compliqué. Bon, j'ai réussi à comprendre tout à l'heure de Sulac, donc il n'y a pas de souci, je te reconnais. Hachi, c'est toi là, que j'ai en discussion là, sur Facebook ou sur le forum, je ne sais plus où les deux. Donc il n'y a pas de souci, là ça passe un petit peu mieux que d'habitude. Oui,
73, la station 14, Victor Eco 27, l'opérateur Eric. J'ai pas tout reçu, mais je ne suis pas tout seul, vas-y, vas-y. Oui, le 73-51, la station qui vient d'arriver de la part de Dundee 33 en fixe entre Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, c'est-à-dire à Sainte-Colombe. Et c'est très très QRP également de mon côté. Hein. Apparemment, il ne m'entend pas. Ah, il ne doit pas m'entendre. Hein. Ah si, il m'entend, Hachi, il est 73 retourné. Ah, je sais pas qui c'est, mais là c'est passé, oui, bonjour. Alors je crois que là on a deux stations en même temps. Hein. La station de Soulac, plus l'autre station qui est arrivée, puisque là je suis obligé de jouer un petit peu un chouïa là, du clarifieur là entre les deux. Ouais, la station qui a dit les 73 Rémi en avant. Oui, Dundee 73 de la part du territoire de l'opérateur civil, 214 KM 33-04, la ville de l'Arcade. Les 73-51, toi, disons que c'est la première fois que j'étais en fréquence de la part de 14 km 33-01. Voilà, ok. Et justement, petite question, puisque tu es là, le Périgord blanc, c'est sur le département 24, c'est pas sur le 33, enlève-moi d'un doute. Attention, la station du Périgord blanc, est-ce que tu m'as reçu? Est-ce que tu as eu QSL? Oui, la station de Soulac-sur-Mer. Donc là, on a Soulac-sur-Mer d'un côté, le Périgord blanc de l'autre. Hachi, c'est du grand local qu'on fait ce matin. Mais c'est dommage que la Propax soit pas là à la seconde. Parce que là, on aurait besoin d'un petit coup de pouce. Rémi, c'est de la Ruscade qui est. Oui, mais la Ruscade, c'est pas dans le. C'est dans le Périgord blanc, la Ruscade. Puisque j'ai regardé sur Internet il y a quelques temps déjà, le Périgord blanc, c'est à côté de Bergerac, donc département 24. Et la Ruscade, je crois que c'est du côté 33 ou au nord du 33, je sais plus. Dis-moi ça, Eric. La Ruscade, c'est après celle de Tamaïs aussi exact, en allant sur Belzonac, la Ruscade. Donc, ok. Et là aussi, ça s'appellerait Périgord blanc? Non, je n'ai pas tout compris. Hein. Je ne sais pas. La station de la Ruscade, 73, Eric, là, retour. Ouais, 73, Eric, voilà. 56, par contre, Rémi, papa, un coup sur deux. Oui, Rémi, oui, le Périgord blanc, c'est le PRZ, puisque avant, c'était natif du département 24. Voilà. Et les bons chiffres, quand même, de 14, KM, 33. 04, voilà, la ville, c'est la Ruscade, qui hérite à toucher de cette entrée de Voilà, c'est retour, Rémi, ok, parce que justement, Hachi trois coups, avec Joël, 14 kilomètres, 57-01. Justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit là, attends, j'ai pas tout compris. J'ai dû y avoir une erreur quelque part. Ok, merci pour l'explication. Ok, merci, retour Eric. Ok, mais bon dimanche, ça tourne aussi la station, hein. Il n'y a pas de soucis, ça me tarde, hein. Ça passe bien là, de ton côté. Hein. Voilà, ça passe plus fort que sur Soulac. Voilà, Soulac, j'entends un peu, mais je ne déchiffre pas tout. Mais là, tu passes bien, il n'y a pas de soucis. Hein. Sur la Ruscade, 5 sur 5, pardon. 73, bon dimanche. Ok, c'est bon, j'ai une bonne amitié, mais j'envoie un petit peu de boîte. Voilà. Allez, bon, 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 bon
Ok, mais tu peux rester avec nous, hein, y a pas de problème. Moi aussi, j'envoie un peu de puissance derrière, mais bon, ça suffit pas, ou peut-être que tu as un petit peu de QRM de ton côté, quoi. Alors, bon dimanche. Est-ce que Ludovic, t'es dans le coin? Hier soir, t'étais trop occupé, t'es arrivé après la bataille. Attends, j'ai pas compris. T'as installé la boîte à poivre? Non, je sais qu'avec le poste au QRA, c'est tout, pas plus. Ouais, mais c'est vrai, comme moi, quoi. Il y a pas de souci, je crois que t'avais mis la boîte à poivre. Non, t'aurais vu la différence. Non, je suis juste avec avec la puissance du poste, avec toute la puissance du poste. Ouais, mais comme moi, comme je suis, c'est tout devant, pareil. Voilà, moi aussi. Ben disons qu'avec l'éloignement des stations et tout ça, et puis la Gironde est un département qui est quand même assez grand, on est obligé de pousser un peu plus quand même derrière. Hein. Ouais, mais bon, moi je pousse avec ce que j'ai, avec le poste, et puis c'est tout. Hein. Si on va davantage, si on n'entend pas, tant pis. Signal de 7? Waouh! Ok, j'aimerais bien en dire autant, mais de mon côté, c'est plutôt une radio de 3-4. Quoique, j'ai remarqué sur la vidéo, on entend de suite beaucoup mieux les stations que ce qu'il en est en réalité, moi, au niveau de mes oreilles. Hachi! Et au niveau de Santiago, c'est du Santiago 3 de mon côté. Et est-ce que tu arrives à entendre la station de Soulac qui est aussi avec nous là dans le QSO? Ok, la station de Soulac, tu peux revenir s'il te plaît? Je l'entends plus. Oui, la station de Soulac, je suis toujours là. Tu reviens vers nous, s'il te plaît. Il a dû partir. Oh, ouais, je pense. Bon, de toute façon, il y aura les news via la vidéo, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est sûr. Ouais, qui c'est que j'ai entendu la semaine aussi? J'ai entendu Daniel, Daniel, ça fait un petit moment que j'avais pas entendu, puis en débouchant en sortant du pont, je l'ai entendu. Ok, qu'est-ce que j'ai entendu là dernièrement? La Guyane qui passait, quoi. Ah, ça a été très furtif, hein. Hachi, la Corse aussi, je crois, qui est passée. Ouais, la Corse, ouais, t'as, comment il s'appelle sur la Corse du Sud, là, qui j'ai discuté aussi, je sais pas si c'est pas son prénom, c'est Jean ou Bernard? Bernard ou Jean, j'ai le trou de mémoire. Attends, j'ai entendu quelqu'un dans le web SDR, oui, la station en avant. Ouais, j'ai entendu parler dans le web, c'est pas arrivé chez moi, mais j'ai entendu là sur le web SDR quelqu'un là prendre le micro en même temps. Hein. En avant la station. Bon, c'est pas grave. Ouais.
écouté, là, surtout la semaine dernière, hein, parce que, enfin, oui, l'autre aussi, même. Mais c'est vraiment l'histoire du fait, c'est... ça monte et ça descend, quoi, aussi vite que c'est arrivé. Ouais, ouais, c'est très sporadique, hein, c'est très furtif. Hein. Par contre, qu'est-ce que j'ai vu sur Internet, hein? Ah oui, il y a un homme qui m'a dit que qu'il y aurait des taches solaires de comme ça là en ce moment et que ce serait un bon signe à venir. Mais écoute, on verra bien. Est-ce que des fois t'as un contact toujours toi avec notre petit Québécois? Eh bien, en ce moment, pas vraiment, puisque... j'ai bouffé son prénom. Oh putain, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle déjà? 9... Bravo Charlie 555. Non, je crois que c'est ça, je sais plus. J'ai pas vraiment de contact en ce moment. Si ce n'est sur certains groupes comme ça où je jetais un œil là sur Internet. Ouais, je veux dire de Gilles, tu veux dire oui. Mais il est toujours sur Gatineau ou il avait déménagé? Parce qu'il me semble qu'il avait déménagé, non? Oui, c'est ça, c'est Gilles. Alors il a déménagé et il est en ménage. Et c'est pour ça qu'en ce moment là on ne l'entend plus du tout, on le voit plus du tout, plus vraiment sur Internet. Et plus le boulot, ceci, cela, il doit remonter sa station, ça c'est sûr, mais quand après, j'ai pas plus d'informations. Et ces infos datent de septembre, oui. Mais depuis, non, j'ai plus d'infos. Ouais, ok, moi c'est pareil, je dis pas d'autres nouvelles. Attends, je vais laisser un petit blanc, j'entends bien le Roger Bide derrière. Oui, est-ce qu'il y a du mal à l'idée? Ouais, ben ça fait comme moi tout à l'heure, c'est pareil. Là, j'ai entendu gratouiller, Roger Bip aussi, et bon, ben c'est pas grave. Quand les personnes auront plus peur de leur micro, à chi trois coups, ils le prendront. Mais oui, parce que sinon, je crois qu'on va finir avec ta tête. Attends, laisse un mot pour voir. Ça gratouille sur le WebSDR, j'entends du monde. Je ne suis pas connecté au WebSDR, là. Ouais, mais bon, t'es pas loin, donc ça devrait normalement passer, ou à moins que ce soit de la moustache. Ah ben, si ça se trouve, c'est peut-être du monde qui est en AM ou quelque chose comme ça. Ouais, faudrait que Ludo il voie un petit peu pour essayer de dégager sa lanterne, parce que elle est trop confinée et ça fonctionne bien moins bien qu'avant. Hein. Ouais, il y a un QSO parallèle derrière. Ouais, t'as pas remarqué qu'il y avait une différence quand même par rapport au début? Si, affirmatif. Ouais, faudrait qu'il essaye de déboiser peut-être un peu, ou je sais pas, parce que là, c'est vrai que il y a plein de personnes qui m'en ont parlé, et par rapport à avant, c'est vrai que ça passait beaucoup mieux. Alors, ça a dû pousser, et je pense que faudrait qu'il taille un petit peu peut-être. Ouais, j'ai pas entendu la tour de contrôle, il est venu nous trouver une fois ou deux là, il y a pas si longtemps que ça. Et depuis, il n'entend plus. Bon, tu vois, il y a un QSO parallèle, je sais pas s'il est en AM, mais bon, on n'a pas l'air de gêner, donc c'est impeccable. Eh bien non plus, pas de nouvelles depuis la dernière fois. Bon, j'imagine que s'il n'est pas plus à la radio, c'est que ça ne doit pas être la grande forme. Mais oui, sûrement. Hein. S'il avait ses problèmes d'antenne, après s'il a résolu les problèmes d'antenne, mais c'est vrai que je l'entends toujours pas. Ouais, c'est ça.
Ludovic, alors, est-ce que tu vas te décider à te lever ou pas? Ou alors, j'ai une idée, Ludovic, si tu prends pas le micro, on débarque tous chez toi. Pour l'apéro. Hachi. Non, mais je sais pas. C'est Tristan qui nous avait parlé. Il n'a pas son fils qui fait du judo, il n'avait pas un peu de judo. On est dimanche, là. Ah oui, alors ça devait être hier, alors. C'est Tristan aussi qui en a parlé, qu'il ne serait pas là. Non, mais il n'a pas son fils, il n'y a pas un truc de... Oui, le dimanche, oui, justement. Et si vous avez parlé de ces deux judo, alors est-ce que le dimanche matin, il n'y a pas un petit, tu sais, une petite compétition pour les gamins? Alors là... Je sais pas. Ah mais attends, non. Hier soir, je sais qu'il était, d'après ce que j'ai vu, là, d'après ce que j'ai lu là sur internet, bon, il était en train de bidouiller, il était pas mal occupé, ceci, cela. Donc comme quand il est arrivé, bon bah il n'y avait plus personne. Donc si ça se trouve, ce matin, il est en plein bricolage au cuirage. Oh, il me semble, je ne veux pas te dire une bêtise, qu'il a parlé d'un truc du judo et son fils, qu'il ne pouvait pas être là, qu'il avait oublié qu'il ne pouvait pas être là. Alors je ne sais pas si c'était pour parler de dimanche matin ou de notre jour. Je ne sais plus, on lui redemandera la prochaine fois. Ouais, affirmatif. Autrement, ouais, pour répondre à ta question, si j'ai remarqué qu'il y a une faiblesse hein, quand même sur le web SDR, là qu'il est plus aussi performant là qu'il a été là pendant un temps, puisque je vois là quand j'arrive sur Bordeaux de ça en mobile que je suis en BLU, effectivement j'entends passer des stations et tout là sur le poste que j'entends pas forcément aussi bien ou pas du tout même sur le web SDR. Ouais, d'accord, mais bon, tiens, on le sait déjà, c'est pas dans son objectif de monter l'antenne plus haute. Hein. Il veut que, il veut que l'installation reste discrète au niveau du voisinage. Ouais, quand tu vois l'autre à côté, la grosse antenne qu'il a, c'est pas trop discret là. Ouais, mais bon, on peut pas aller contre ses choix, hein, c'est... là, Et pour ma part, là, chez moi, de toute façon, c'est même pas la peine que je pense mettre un web SDR en place, puisque... Alors là, j'ai rigolé jaune. Dernièrement, là, j'ai mis une micro-vidéo, là, sur YouTube. Justement, c'est avec la Guyane. La vidéo, elle faisait quoi 3 minutes. Ça a mis entre 45 et 50 minutes de téléchargement sur YouTube pour 3 minutes de vidéo. Alors imagine si je mets un web SDR, là pour le coup c'est même pas la peine. Ouais, moi je pourrais le faire, le problème c'est la place qui me manque avec toutes les antennes que j'ai là, moi je sais pas où je le mettrais et ça me perturberait quoi. Parce que j'ai le débit, moi j'ai la fibre optique, je dis je tourne à presque. Pas un tirant, mais je tourne à 800 et quelques. T'imagines ? Oh la vache ! Parce que là, c'est vrai que là, je vois par exemple, là, quand je vais sur Facebook, que je regarde les différentes publications, messages et tout ça, donc j'ouvre plusieurs onglets, je me retrouve facilement avec 10-15 onglets d'ouvert. Mais il me faut bien plusieurs minutes avant que j'ai l'affichage correct. C'est à ce point-là, moi, ici. Hein. C'est pas du 56K, mais ça n'est pas loin, quoi. Ah oui, en effet, ouais. Alors, c'est le plus bas que je suis tombé, moi, je crois que c'était quand il y a beaucoup de monde. Je crois que c'était 650 ou 700, je crois, ou un peu comme ça, quoi.
Ouais, non, mais disons que en plus, moi, ce qui se passe, c'est que je suis en bout de ligne. Et en plus de ça, en dehors de la zone garantie par Orange, j'allais dire France Télécom, mais enfin bon, bref, c'est pareil. Donc, j'ai que les miettes quand ah, j'ai entendu un truc sur l'OMSDR. J'ai que les miettes quand ça veut bien passer, quoi. Puisque parfois, même, ça aboutit pas carrément, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Et je vois, tiens, par exemple, la vidéo d'hier soir, ben, j'ai lancé le téléchargement hier soir, j'ai validé ce matin, au moins comme ça, j'ai pas vu le temps que ça a mis, quoi. Et à chaque fois, je vois, par exemple, quand je suis au pro, que j'envoie une vidéo via le partage de téléphone, là, ça va mettre quoi, entre 5 et 10 minutes, pour une vidéo qui va faire, je sais pas, une demi-heure, une heure. Ça au QRA, mais c'est hallucinant le temps que ça va mettre. Ah ouais, c'est bizarre, non, mais c'est pas évident, c'est vrai que l'entrée sur Olivier avec un bon OMSDR, c'est ce que je dirais, après bon, je sais le propre, moi, quand il commence à fêter chez moi, je vais être entré de trop près, et ça s'assurerait pas, je pourrais plus faire la radio. Ah, mais c'est certain, pour pouvoir le faire chez toi, il faudrait que l'antenne soit à l'autre bout du bâtiment. Donc, non, c'est pas envisageable. Ouais, tiens, je suis en train d'attendre le poste, on peut faire un truc. Et tiens, je vois par exemple, quand je suis en train de prendre les mises à jour sur un autre PC, je vois de suite la différence, hein. Oh putain. Là, j'ai du mal à afficher quoi que ce soit. Hein. Là, tu vois, je viens de lancer le test, et encore on est dimanche. Le dimanche, il y a beaucoup de monde qui se connecte. Et là, je vais te dire le résultat. Et encore, c'est moins rapide que d'habitude, mais tu vas rajouter le résultat. Ok. Autrement, t'as entendu quelque chose sur d'éventuelles grèves ce matin? Ou cette nuit, parce que là, d'après les infos à la télé, ça a dû continuer, quoi. Ouais, oui, ça tourne, ça va continuer, là, tu vois, je suis en train de dire, ouais, tu vois, il y a eu dimanche, il y a beaucoup de monde, j'ai 300, alors attends, comme ici, j'ai téléchargement, j'ai presque 500, et en transfert, j'ai 300 ici, là, et temps de latence, c'est 10 millisecondes, tu vois, ouais. Et tu vas où pour voir ça? Eh bien, sur Internet, je fais le test de débit sur Internet. Oui, d'accord, mais quel est le nom du site? Je vais sur Ariane. Ariane? Comme la furée, comme la fusée? Ariaz. Ariaz, ok, je le vois dans le... Alors, trouver la meilleure offre mobile internet avec Arias. Test débit internet, ça y est, ok, je le vois. Voilà, après tu lances ton test et tu t'attends. Ok, bah, on est dimanche matin, je suis pas sûr que... Alors, attends, qu'est-ce que ça m'affiche? Ah oui, non, le test est en cours. Ça va t'afficher. Ouais, c'est ça, là, c'est en train de travailler sur la réception. Ah oui, je vois, en dessous, voilà, test à venir, envoi. Et puis après, latence.
fenêtre. Ça va tenir le téléchargement d'un côté, le transfert de l'autre, et puis la séance marquée de tout le temps. Oui, oui. Alors, en réception... alors, attends... impossible d'envoyer des données à toi. À quel point c'est ardu chez moi. Impossible d'envoyer les données. Ça doit ramer un maximum. Ah ouais, oui, mais toi tu passes par la ligne téléphonique. Alors attends, impossible d'envoyer les données. Vérifiez vos paramètres de connexion de données avant de faire un test, s'il vous plaît. Alors toi, autrement dit, pour lui, je suis même pas connecté, quoi. C'est de la DSL, tu passes par la ligne téléphonique, toi? Oui, c'est ça. Ah, ben oui, c'est normal. Là, tu fais le test pour le tour du lit, là, que j'ai fait, oh, c'est vrai que c'est pas évident. Ah, ben peut-être que je passe par le câble. Alors ce jour-là, effectivement, il y a la gaine qui est en place en sol là, depuis l'entrée du terrain jusqu'à la maison. Mais c'est pas prêt. Alors déjà, bon, c'est carrément autre chose, mais déjà, il n'y a pas tout à l'égout chez moi. Alors le câble, c'est pas prêt d'arriver. Ah, c'est une fosse, c'est ça. Et c'est une fosse sceptique. Ouais, et elle l'est. Ok, ouais, mais oui, mais c'est vrai que moi, quand même à la campagne aussi, c'est normal, hein, bon, on voit pas la tranquillité, c'est sûr que tu es à bord de la ville, c'est plus calme, comme ça, c'est autre chose, quoi. Ouais, ouais, alors tu vois, là, au niveau débit internet, moi, c'est à ce point-là, hein, puisque là, ça allait passer au test d'envoi, et puis en fin de compte, eh bien, t'es dans les pâquerettes. C'est pas évident. C'est vrai que si tu veux télécharger quelque chose de lourd, hein, t'as là pour un moment. Hein. Oui. Oui, oui, tout à fait. Ah oui, c'est pour ça que ça, j'ai intérêt à le faire la nuit. Tu m'étonnes. Je comprends, il n'y a pas de souci. Bon, mais oui, je pense pas plus loin. Je vois qu'il y a plus grand monde sur le Christ national là, pour aujourd'hui. Hein. Donc, je vais t'envoyer les meilleurs chiffres, les amis. Je vais envoyer les archives à tous les SDVL qui nous écoutent sur le web, SDA. Et puis bon dimanche, bon repos. Et puis écoute, je te dis à la prochaine, avec grand plaisir. Ok, ils doivent être tous sur le piquet de grève, hachis trois coups. Non mais de toute façon, déjà, Angèle, hier soir, nous a dit là, qu'il était, que ce matin, il serait sur la route. Bon, Ludovic, visiblement, il est dans ses travaux. Pour les autres stations, ben, je sais pas, parce que je vois aucune trace nulle part. Soit ils sont restés coincés sous la couette, ou il est quelle heure, ou ils sont en train de penser très fort à l'apéro, parce que là il est presque 11h15. Bah tiens, je vais faire un petit tour en sup. Tout à l'heure j'ai entendu, il y avait une expédition DX là qui était en cours, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne, s'il y a un peu de propag ou pas. Ah, oh là, il y a une grosse trace sur le web SDR. Alors je sais pas si Ludovic serait pas dans le coin. Sur le 555, il y a une méchante trace hein, sur le 555, ça nous bloque tout le web SDR. Ah bon. Alors si c'est pas lui, c'est juste à côté. Hein. Ah ouais, ou alors c'est peut-être Stéphane, parce que Stéphane il est pas loin de chez lui aussi. Ok, d'accord. Parce que ça m'a fait à peu près, sur le web SDR, la même image que quand c'est Ludovic qui prend le micro. Ok, y a pas de souci. Bon, allez, je te laisse, Rémi, 76. Le bonjour à madame, et puis à la prochaine. Ok, les 73 retournés, 212 au QIRA, pareil. À la prochaine. Bye bye, bon dimanche. Ciao, et salut aux écouteurs. Ciao, bon dimanche. Et je vais m'en jeter un coup d'œil sur 555 parce que je vois que ça s'active un petit peu. Ok, je vais aller voir. Ok, bye. Ouais, tiens, à la seconde même. Bye.
qui est la grosse station, qui fait une grosse pression dans les airs. Ah, il y a eu de méchantes traces de limaces là sur le WSDR, on les voit plus. Ils sont partis. Ah, un peu plus haut. Un peu plus bas. Oui, là, c'est une modulation, ça marche. Et 73 de Nandi 33, je t'écoute via le voie BSDR. Affirmatif. Non, Dandy 33, Rémi, quoi, si tu préfères. Non, Cura, à côté de Castillon-la-Bataille. Mais je t'écoute via le voie BSDR. On est sous 555, je ne vais pas tenir plus longtemps le micro. Oui, dommage que je ne vous entends pas au Cura, là, en direct. Parce que ça aurait été avec plaisir là, qu'on fasse QSY.QSO, mais là, là ça passe pas. Des bons 73, on est sur 555, je ne vais pas perturber davantage. Bonne journée de la part de Rémi. Merci, bon dimanche, à plus. Ok, merci, bon dimanche, à plus. Il est sur celle de Colombe. À côté de la station à bataille.